Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder le concours Kangoo 2017, sujet B, question numéro 20. Voici l'énoncé. 8 kangourous sont placés en ligne comme dessiné. Dès que deux kangourous sont nez à nez, ils doivent échanger leur place, en continuant à regarder dans la même direction. On appelle cet échange un hop-hop. Combien de hop-hop auront eu lieu quand plus aucun hop-hop ne sera possible? 2, 10, 12, 13 ou 16. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors on va représenter les kangourous par des flèches. Donc la flèche va indiquer la direction où ils regardent. On a cette flèche-là. Ici, 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 2, 1, et 1. Donc on va faire donc la simulation. En sachant que si deux flèches se touchent, comme ça, eh bien ils échangent de place. Donc par exemple ici, on va arriver comme ça. Hop. Donc ici, on va voir une flèche. Donc ici, cette flèche-là se rencontre. Donc ici, on va voir cette flèche-là, ici, cette flèche-là. Deuxième simulation. Donc là, ces flèches-là se rencontrent. Donc on va voir ça. Ici, cette flèche-là se rencontre ici. On aura cette situation-là. Et ici aussi. Donc, hop, hop. Et ainsi de suite. Donc, flèche-là ici. Là, ici, ensuite là, ici, hop, hop, et donc le dernier, ça va être comme ceci. Alors, combien y a-t-il de hop hop? On va les compter ensemble. Donc, quand deux flèches sont de sens contraire, il y a un hop hop. Donc, ici, il y a un hop hop. Ici, il y a un hop hop. Ici, 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 ici. Là, il n'y en a plus. Ici. Et c'est tout. Donc on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc la bonne réponse. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse D. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBV. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.